3, 2, 1. Oh, oh, oh. Ok, ok. Bonsoir tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est sur le gros vélo, comme prévu, de retour dans une forêt. Bon, c'est pas la même forêt que la dernière fois. Comme je vous l'ai expliqué, avec la canicule en ce moment. Ouais, on en a souffert de la canicule, qu'est-ce que tu fais toi? Je me gratte. Yes. Je disais, on a bien souffert de la canicule. Et le problème, c'est qu'on peut absolument pas creuser en ce moment sur la nouvelle piste. Alors ce qu'on fait, là, on se rend dans une autre forêt, sur une nouvelle piste, qu'on va aller découvrir ensemble, que Monsieur Sorio, là, juste derrière, va nous faire découvrir. Ah, je sais que vous l'attendiez, cette vidéo VTT, je le sais. Vous m'en avez mis des commentaires sous les vidéos BMX. Qu'est-ce que tu... Ah mon dieu. Donc aujourd'hui pour cette vidéo je suis avec ce grand fou de Pierre Sorio. Tu vas pouvoir nous faire découvrir cette nouvelle piste alors. Ouais. Allez avance là. Quel gap. De quoi il parle lui? T'aurais pu m'attendre hein. C'est bon, je vais le faire. Au calme. Ouh. Ok, premier gap de la journée. On adore. Et voilà, on se retrouve donc sur un spot assez vallonné, avec des bosses un peu partout, tu vois. Et surtout, beaucoup de gaps très intéressants là-bas. On va mettre les petites protections que Géform m'a envoyées. Et là-dedans, il y a tout qui passe, hein. Toutes les protections de la tête aux pieds sont là-dedans, ça prend pas de place. Enfin, de la tête aux pieds, il n'y a pas la tête, le casque. Imagine bien qu'il n'y a pas un casque là-dedans quand même, ce serait un peu abusé. Yeah. On va s'échauffer tranquillement. Ouais, moi je fais des pistes pour enfants. Ok mec. Ouais, parce qu'on a un petit step up assez intéressant pour faire du tricks. Bon c'est un peu ghetto, mais on arrive à sauter de là à là. Vas-y, je vais essayer de faire un suicide aussi du coup, en lâchant les petites mains. Ah non. T'as déchiré un arbre. Yes mec. Heureusement que j'ai filmé ça, c'est cool. Ah, mais c'était propre. Ah je sais, je sais, je sais. Si j'enlève la main de mes fesses, il y a une petite trace. Oh ça a frotté à son petit cul. Enfoiré. Alors du coup Philippe, qu'est-ce que un condor? On va essayer un condor. Condor à la différence de suicide, tu mets le guidon ici. Ça se fait plus en BMX. Je crois qu'en VTT c'est un peu plus dur parce que tu vois le truc est beaucoup plus gros, plus encombrant à mettre ici. Est-ce que je lui laisse une surprise au montage? Vous me l'avez souvent. Allez. Ceci est un échec. Allez mec. Yo! Ah, il était trop propre! Vas-y, tiens, je vais essayer un petit 180 Faki comme en BMX. Tokyo Drift. Allez, plus beau whip là! Oui, monsieur! Allez, le plus beau whip! Oui, monsieur! Et le plus beau 180! Wow. Oui, monsieur! Après, le 180, on fait quoi? 3-6! Bon ok, on va faire un petit concours. Celui qui va aller le plus loin là-dessus. Il y a du monde pour jouer, ça va être rigolo. Tu joues toi? Ouais. Toi aussi? Ouais. Ok, tout le monde joue. Je vais pousser mon vélo parce que à mon avis, il y en a qui vont atterrir ici. Hein. Wow. Ok, là on a un compétiteur là. Oh. Les vélos ils prennent tellement cher. Là je les ai motivés, ils vont faire un chouchou, ils vont tous rouler le plus proche possible. Vous êtes chaud? Je me sens très seul, aucune réponse. Yes, super, c'est ici la motivation. Oh putain, ils sont partis. Oh, oh, oh. Yo. Ah, vous êtes à la traîne, vous? Ça, j'aime bien, ça, j'aime bien. 3, 2, 1, et c'est parti. J'en étais sûr de ça, vas-y. Allez, 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 allez. Moi, je vous suis, hein, je vous suis. Oh mec, j'ai failli atterrir dans l'arbre.
Oh putain. Oh, j'ai frôlé l'arbre. Attends, faut que je regarde le clip. Je te jure, j'étais à ça. J'étais à ça de l'arbre. Je me suis dit, je lâche pas. Ce coup-ci, on recommence, mais sans viser l'arbre. Oh là là, ce style. Oui, 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 monsieur. Oh merde. C'est quoi ça? C'est le style. C'est dangereux, ça. Hop. Ok, bon là du coup on change d'endroit. On est dans la partie où il y a plutôt des gaps. T'as des gaps plutôt simples, comme celui-là, là-bas, ça c'est assez simple. Et plus tu vas vers là-bas, plus ils sont gros, plus ils sont raides, plus ils me font peur. Et on va essayer. Vas-y quand tu veux. Waouh. Ah ouais. Tellement simple, tellement facile. Moi aussi je le fais pas en fait. Voilà. Bon là apparemment il va carrément essayer de rouler là en mode wall ride. Ok, le mec est vraiment chaud. Comment tu peux rouler là-dessus là, tu dégrades la nature, Pierre, c'est pas bien. C'est pour ça que je le ferai pas en fait. Voilà. Ah merde, putain, voilà. Les bébés phoques. Ok, bon on va commencer par essayer celui-là, il est déjà assez gros quand même. On va voir si ça passe. Ah. Bonsoir. Oh là 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 là, c'est génial. Putain, c'est youtubeur, c'est plus ce que c'était. Oh et c'est bon, laisse-moi le temps de me chauffer aussi. Ah, ça passe, c'est bon. Allez, c'est bon, ça passe. Ok, donc là on prend une trajectoire différente. Le saut est un peu plus long que celui qu'on a fait tout à l'heure, mais c'est la même réception, c'est juste une trajectoire différente. Donc là je vais suivre Pierrot pour avoir la vitesse. Qu'est-ce que tu fais encore toi? Ok. Je tiens pas, je tiens pas. Ouais, c'est parti. Wouhou. Wouah, c'est vénère hein. Bon du coup là on change d'endroit, on va partir sûrement sur le gap le plus débile de cette journée. Pierre m'a dit qu'il y avait un saut qui passait au-dessus de la route, un road gap ça s'appelle, voilà. Et Philippe j'ai un défi, manuel jusqu'au gap, ouais tu filmes? Ouais je filme c'est bon, vas-y mec. Ah ouais d'accord le mec est chaud, ça va de plus en plus vite en plus. Mais comment il tient ça? Wouah. Ok, c'est ici? Je crois bien ouais. Mais comment ça? Bah tu sautes là, pars dessus la route, ici là, et tu viens atterrir par derrière là. Tu te fous de ma gueule? J'aimerais bien, c'est cool. Non c'est vraiment ici que vous avez sauté? Ouais, non. Non tu sautes vraiment de... Ok d'accord, ouais, non mais j'étais pas prêt à... Ok, je me disais vas-y Philippe peut-être que je vais le faire et tout, mais là non c'est impossible. Tu sautes de là-haut jusqu'en bas? Il y a 10 mètres. 10 mètres de là à là. Ah vous êtes vraiment débile. Tu sais quoi? Moi je me pose en bas, je vous filme. Et voilà, regarde, je pose mon vélo là. Moi je vais dire 2000 pouces bleus, il le fait. 2000 pouces, non c'est pas assez de 2000 pouces bleus, t'es malade ou quoi? 5000 minimum et peut-être que je le ferai un jour. 5000? 5000 mais minimum mec, minimum. Est-ce qu'on compte sur vous les abonnés là? 5000 pouces bleus pour que Philippe... Non, je fais pas ça. La récep elle est là. Regarde, c'est réception feuillage. Super. Yes. Donc ça passe au-dessus de la route et ça part de là-haut. Eh vous êtes complètement débiles les gars, vous êtes sûrs de vous? Ok bah quand vous voulez hein, moi je filme. Wouah là 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 là. Oh putain. Mais ils sont malades. Ah les gars vous êtes des malades. T'es un ouf. Eh mais moi ce que j'ai trouvé ouf c'est que déjà pour un premier passage vous êtes suivi vachement de près. Pourquoi tu le ferais pas? Genre en mode tu le colles, tu lui colles au cul tu vois. Comme ça tu sais on fait une miniature de vidéo où genre vous êtes tous les deux en l'air, ce serait complètement ouf. Je suis chaud. Ah putain les gars vous faites plaisir, c'est parti. Hop, je pense que là c'est bien placé. Ok donc là ce qui se passe c'est qu'ils vont sauter tous les deux au-dessus de la route en se suivant le plus près possible. Moi je vais mettre juste en dessous pour essayer d'avoir une belle miniature pour la vidéo. Vidéo miniature que vous avez déjà vue parce que bah, vous avez cliqué sur la vidéo donc c'est que tu l'as déjà vue. C'est parti, ils sont débiles. Allez.
Ils sont complètement malades les mecs. Ok, je profite de cette petite pause pour vous présenter vite fait le vélo, car vous êtes très nombreux à me le demander en commentaire. J'avais fait toute une vidéo de présentation du bike quand je l'avais acheté, je vous mets le lien juste ici. Mais comme il y a eu beaucoup d'abonnés nouveaux entre temps sur la chaîne, bah je vous fais une petite présentation vite fait. On est sur un YT Noton de 2014, voilà. Taille M, suspension et amortisseur Boss, une paire de roues Mavic quand tu blesses. Voilà, que dire de plus à part que c'est un très très bon petit vélo que j'ai acheté sur le bon coin. Je me fais plaisir avec. C'est parti, on repart. Du coup là on a encore changé d'endroit, on s'est plutôt bien échauffé sur tout ce qui était gap et petit tricks là-bas. Maintenant tu fais quoi? Tu me fais visiter la petite ligne, c'est ça? C'est ça, la ligne de descente. Ok, bah je vous suis, hein. Oui. Ah oui. Wouah. Ok. Putain, je les ai perdus les mecs, je sais plus du tout où ils sont. Bon, sinon je suis en train de découvrir la piste, elle est cool hein. Ah ok, d'accord, vous êtes là. C'est très gentil de m'avoir attendu. J'ai tout simplement raté le tout premier saut. Voilà, c'est tout. Ça continue après là du coup? Ouais, ça continue. Ah ouais. Oh, j'étais pas prêt. Ah ouais, ok. J'étais pas prêt pour les marches. Ah ouais, mais surtout que ça va super vite en fait. Ok, après cette première descente très 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 peu concluante, on va essayer de se la faire en une fois et en mieux parce que bah j'ai rien sauté en fait. Yes. Yes. Alors voilà. C'est pas compliqué. Waouh. Allez, on les rattrape. Ah, ils m'ont attendu, c'est tellement gentil. Yes. Je ne vois plus rien, je suis aveuglé par la poussière. Oh. Yes. Et ben voilà. On commence à s'y faire. Oh putain. J'ai parlé trop vite. Oh. Yes, le petit cours. Yes, le petit saut. Ok. Ah là, c'est les marches, on y va tranquille. Hop, hop, hop. Hop. Youhou. Wow. Et merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je sais que ça faisait très longtemps que vous attendiez la nouvelle vidéo en VTT. On n'a pas pu se rendre sur le spot de la dernière fois, car avec la canicule bah, c'était beaucoup trop sec pour qu'on puisse continuer à creuser notre piste. C'est pourquoi on est venu ici sur ce beau terrain. Il y a encore plein d'autres pistes à découvrir qu'on n'a pas pu faire aujourd'hui. Des lignes un peu plus grosses, un peu plus engagées, que j'ai pas osé faire parce que bah j'ai pas encore le niveau les gars, va falloir que je m'entraîne. Si vous voulez qu'on continue les vidéos avec le gros vélo, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Et bien sûr, n'hésite pas à t'abonner juste là pour pas rater la prochaine vidéo avec le gros vélo. Allez les gars, on se casse. Ça va trop vite pour moi ça. Oh enfoiré.